Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici vous êtes sur la chaîne de Wear Hope et moi c'est Alexandra. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan couture du mois de mars et avril, mais aussi vous montrer quelques photos des pièces de mon deuxième bilan couture qui n'étaient pas très claires. Donc j'espère que cette fois-ci le cadrage ira mieux. D'ailleurs merci à tous pour vos commentaires, parce que ça m'a aidé pour la réalisation de cette vidéo. Donc là, normalement, je vais vérifier, je vais couper plusieurs fois pour que ce soit ok niveau cadrage pour montrer les vêtements, et j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est parti. Comment je vais procéder pour refaire en même temps mon deuxième bilan couture, c'est que j'ai cousu pas mal de pièces similaires, j'ai cousu les mêmes patrons, pour certains, donc je vais les montrer au même moment, je vais les montrer deux fois. Donc pour ceux qui ont déjà regardé le deuxième bilan couture, désolé, vous allez revoir les mêmes pièces deux fois, mais cette fois-ci vous les verrez mieux, donc ce sera que du positif, j'espère. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ne soyez pas étonnés que j'ai autant de pièces à vous présenter. S'il le faut, je couperai peut-être cette vidéo en deux, mais j'ai envie de tout vous présenter. Donc tenez bien compte du fait que ce soit un bilan couture normalement que du mois de mars et avril, mais aussi des pièces que j'ai cousues déjà en décembre. S'il y a des pièces qui ne reviennent pas, c'est que je les ai déjà rangées avec ma garde-robe hiver. Et donc j'essaierai de les représenter à un autre moment, peut-être à une vidéo spéciale mes premières cousettes ou mon évolution dans la couture, mais en tout cas vous les reverrez sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, je vais commencer par les pièces enfants. Petite parenthèse, au mois de mars, oui au mois de mars, j'ai réalisé des cadeaux de naissance. J'ai même fait une vidéo là-dessus, donc les cadeaux de naissance, je ne les présenterai pas dans ce bilan couture. Par contre, mois de mars-avril, j'ai aussi cousu pour ma fille. Donc j'ai cousu une robe et deux petites blouses. Donc on va commencer par les cousettes enfants. C'est parti! Donc pour les cousettes enfants, j'ai utilisé principalement le patron de Home Over Mind DIY. Je mettrai sa chaîne YouTube quelque part par ici. Donc c'est une chaîne espagnole. Oui, espagnole. Je n'ai pas regardé ses vidéos. Par contre, elle met à disposition des patrons gratuits. Donc j'ai utilisé un ou deux de ses patrons, un de ses patrons surtout. J'en ai téléchargé trois, mais j'ai utilisé un patron que j'ai hacké. Donc au fait, j'avais seulement besoin d'une base, d'une petite base pour faire les blouses, mais j'ai aussi déjà un patron de buste spécial pour ma fille, donc c'était surtout pour prendre ses idées que j'ai utilisé les patrons. Nous allons tout de suite commencer par la première blouse, qui est celle-ci. Donc une petite blouse rose. Le tissu vient de chez Stop Tissu, que j'ai acheté cet été pour justement lui confectionner des petits vêtements. Donc c'est une blouse toute simple. Alors j'ai pris le patron qui n'est pas du tout comme la blouse. J'espère que vous verrez bien. Voilà le patron. Donc c'était surtout pour copier une blouse du commerce de chez je sais pas si j'ai le droit de dire, oui je pense hein, de chez Sergent Major, que j'aime beaucoup mais qui coûte un bras. J'ai voulu lui coudre une petite blouse. Donc la modification, c'est que déjà j'ai raccourci la robe, enfin j'ai transformé la robe en top. Et ensuite, j'ai fait l'ouverture ici devant au lieu de l'ouverture au dos. Et j'ai rajouté quelques centimètres pour faire la patte de boutonnage. Donc là, j'ai fait une vraie patte de boutonnage, pas comme ce que je fais d'habitude et que
Voilà, je vous montre. Et au bras, c'est élastiqué. C'est une blouse à manches 3 quarts. Et donc, j'ai fait la taille 8 ans. Taille 8 ans, enfin, j'ai surtout pris par rapport aux mesures de ma fille. Et aussi, j'ai un peu décalqué sa blouse du commerce pour le faire. Donc voilà. La première petite blouse. Alors, dans le même patron que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pas exactement la même coupe. Donc, j'ai fait cette blouse. Voilà. Voilà, comme ça, avec une petite colle Claudine et des manches longues. Donc, cette blouse, toujours le même patron, sauf que j'ai tout de suite j'ai pas fait la coupure ici au niveau de la poitrine, enfin au-dessus de la poitrine. Alors, petite erreur que j'ai faite, c'est que je ne savais pas trop comment faire pour mesurer, pour faire le col Claudine pour l'encolure. Pour l'encolure, donc si vous voyez bien derrière, il y a trop d'espace normalement, ça devrait s'arrêter ici, mais c'était trop court, du coup, je me suis j'ai bidouillé comme j'ai pu. Alors, ça se voit pas trop parce qu'elle le porte avec un pull et tout, donc c'est pas très gênant, mais il faut le prendre en compte quand on fait des hacks et des transformations. Donc il faut prendre en compte la modification de l'encolure. Et là, au fait, j'ai créé vraiment ce col là, donc voilà. Donc je remontre bien derrière. Sinon, la blouse manche longue. Donc voilà pour les deux blouses. Les tailles qu'elle propose, c'est du... Donc le patron se présente comme ça. Et les tailles, ça va du 2 ans au 8 ans. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté les marges de couture à chaque fois. J'ai mis les marges de couture à 1,5 cm parce que j'ai fait des coutures anglaises. Comme je n'ai pas de surjeteuse, donc je fais toujours des coutures anglaises partout. D'ailleurs, je vais vous montrer comme ça, vous verrez. C'est très propre à l'intérieur. Et j'ai fait un billet dans une couleur contrastante pour que ce soit plus joli. Alors... Je vais vous montrer juste sur cette blouse. Sur la blouse précédente, c'est aussi des coutures anglaises. D'ailleurs, sur presque toutes mes cousettes, depuis le mois de janvier, je ne fais que des coutures anglaises ou sinon, je double tout de suite les vêtements. Donc là, vous voyez, même au niveau de l'emmanchure, ça fait un vêtement très propre à l'intérieur. Voilà. Et j'ai réalisé un billet juste ici comme ça. Donc voilà. Pareil pour la blouse de tout à l'heure, comme j'ai dit. Et j'ai mis un petit bouton pression à coudre. Si vous avez vu mon périple pour la réalisation des cadeaux de naissance, donc vous saurez que les boutons pression à poser, c'est pas mon truc. Je préfère les boutons pression à coudre. Donc voilà. La dernière cousette toute fraîche qui date d'hier. La petite robe, je pars toujours du même patron, je le précise. Sauf que cette fois, j'ai su bien calculer l'encolure, la colle Claudine, j'arrive jamais à le dire, le col Claudine, pardon. Donc cette fois-ci, je l'ai bien réalisé. Et il n'y a plus, hop, il n'y a plus le souci derrière. Normalement, ça devrait être comme ça. Et là, il n'y a plus de souci. J'ai mis un petit bouton juste ici.
Et voilà. Alors là, il y a un petit souci au niveau du dos parce que au fait, j'ai pas su bien calculer. Du coup, il y avait du tissu qui ressortait, donc j'ai décidé de faire ce petit zigzag là pour que ça tienne bien. Bon, c'est pas très propre, mais ça se voit pas trop. Donc la robe se présente comme ça. Là, j'ai repris les détails de la découpe au niveau de au-dessus de la poitrine et ensuite ici en bas pour faire une blouse, enfin une robe très ample pour cet été en tout cas. Donc c'est toujours une taille 8 ans. Autre modification que j'ai faite, c'est que cette fois-ci, j'ai fait des manches courtes. Je ne sais pas si je mets ici. Est-ce que voilà, manches courtes. Et puis voilà, elle est. J'ai déjà posté des petites photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vais faire défiler mon compte par ici. Et puis voilà. Donc c'est tout pour les coutures enfants. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé un seul patron, un patron gratuit de Home Over Mind DIY. J'ai fait la taille 8 ans, comme la taille de ma fille dans le commerce. J'ai adapté un peu à ses mensurations, mais sinon je n'ai rien changé d'autre, à part les hacks que je vous ai montrés, changement pour le col, les manches, découpe ou pas au niveau de la poitrine. Ah oui, j'ai rajouté aussi, j'ai rallongé, pardon, la longueur de la petite basque en bas. Et l'ouverture aussi, j'ai modifié pour la première blouse, donc qui était une ouverture devant au lieu de mettre derrière. Donc voilà, je pense que je vais bien garder ce patron pour faire pour utiliser comme base de robe. Donc maintenant, nous allons passer à la couture femme. Donc j'ai pas mal de pièces à vous présenter. Beaucoup de hauts, un seul pantalon. Donc là, c'est un signe comme quoi il faudrait que je me couse des pantalons. Et d'ailleurs, c'est déjà en cours. Ça fait partie de mes projets couture pour le mois de mai. J'ai déjà découpé mon pantalon, mais ça, c'est un autre sujet. On va parler du seul pantalon que j'ai à vous présenter. Donc, au mois de mars-avril, j'ai cousu un pantalon. Alors, j'ai cousu deux jeans. Le premier, je vous l'ai déjà montré dans mon ancien bilan couture, mais là, actuellement, je le porte. Donc, je ne peux pas vous le représenter. Il s'agit du jean slim. Du modèle du livre L'atelier du jean que je recommande très fortement. J'ai acheté ce livre suite à la présentation de Marine Kou, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Maintenant, j'utilise ce livre à chaque fois que je veux me faire un pantalon et même pour le montage des pantalons sont très clairs. J'utilise cette méthode pour monter la braguette surtout, quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Et franchement, avec ce livre, c'est trop simple. J'adore. Je l'utilise aussi pour faire les modifications, pour faire remonter ou rabaisser la taille, pour aussi faire correctement. Non, pas faire correctement, mais modifier correctement la longueur des pantalons. Parce qu'avant, en fait, quand je téléchargeais des patrons et qu'il fallait que j'enlève un peu de longueur, parce que c'est toujours trop long pour moi, je découpais directement en bas. Mais il s'avère que c'est pas ce qu'il faut faire. Pardon. Et donc, c'est tout expliqué dans ce livre. Je suis partie très loin du sujet, mais pour vous dire que donc mon premier pantalon j'avais réalisé
Donc je disais le jean, le slim qui est là du livre. Donc le livre, pardon, les patrons vont de la taille 24 à la taille 36 américaine. Donc moi j'ai déjà fait une toile, j'en ai parlé longuement dans mon bilan couture numéro 2. Je ne vais pas refaire le même grand discours blabla parce que sinon cette vidéo risque d'être hyper longue. Voilà. Donc après avoir réalisé ma toile, j'ai découpé la taille 34, qui s'avère encore un chouïa grand, mais c'est pas grave, je suis bien à l'aise dedans, je peux manger autant que je veux et le pantalon m'irait toujours. Donc j'ai découpé la taille 34. Et si vous achetez pardon, ce livre, je vous conseille pardon, de faire une toile. Le livre est très bien, mais pour moi, en tout cas, il a fallu que je fasse une toile. Donc, taille 34 pour le jean slim. Ensuite, j'ai réalisé un autre jean, le jean mom, qui est là. Donc voilà, toujours de la taille 24 à 36. Donc 24 à 36, c'est un peu, enfin le panel détail est un peu petit, mais ce qui est bien avec ce livre, c'est que il y a des conseils à la fin pour faire la taille au-dessus de 36 ou en dessous de 24. Donc on peut modifier à notre guise le patron. Donc ça, c'est un point très positif. Je vous montre le pantalon, le jean mom. Voilà. Je vais reculer un peu pour que vous voyez très bien, j'espère. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout bien vu. J'ai décidé de ne pas doubler, de ne pas faire la ceinture. Du même tissu que le jean parce que le jean est trop épais. Le jean que j'ai acheté est trop épais. Donc c'est un jean que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. Oui, j'ai fait un haul tissu que je mettrai dans la barre d'infos parce que je ne sais toujours pas mettre le i. Donc j'ai fait un haul tissu. C'est un tissu que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. J'ai acheté 2 mètres de jean dans laquelle j'ai réalisé ce pantalon-là. Et je n'ai pas terminé ce tissu. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montre ce que j'ai fait avec le reste à la fin. Donc je vous montre le pantalon. C'est un jean de très bonne qualité. Je le porte très souvent. Il passe à la machine très souvent. Et il n'a pas du tout bougé. Donc c'est un jean avec l'intérieur un peu velours. Je sais pas. Et donc, comme c'est très épais et que je savais que ma machine allait souffrir, j'ai décidé de doubler la ceinture avec le wax que j'ai gagné sur le compte de Sala Paris. Je mettrai son compte en barre d'infos. Elle est géniale. Pareil pour les poches, j'ai décidé de le doubler là-dedans. Je n'ai rien d'autre à dire pour ce pantalon à part que je l'aime beaucoup. Et que je le porte très souvent. Voilà. Je vais m'en recoudre d'autres, je pense. En version un peu plus été. Je n'ai pas encore trouvé de tissu de jean plus clair. Mais les Coupons de Saint-Pierre viennent de publier enfin, une nouvelle, pas collection, mais un nouvel arrivage de jean. Donc j'irai peut-être faire un tour. Mais pourtant, j'ai dit que j'achèterais plus de tissu. Problème. Bon, on verra, on verra, on verra. Ouais, je sais pas. Oh là là. Mais j'ai envie de me coudre d'autres jeans. Et j'ai pas de jean bleu ciel. Oui, mais non.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai sur, en tout cas sur les cousettes que je vous ai montrées, pardon. Et donc voilà. Voilà pour le seul pantalon de mon bilan couture. Cette fois-ci, on va passer au haut, au top, aux blouses, aux chemises. J'en ai cousu beaucoup, beaucoup trop, je trouve. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que j'arrête un peu de coudre des hauts. Donc, je vais vous parler premièrement de la blouse Paulette de Fibre Mood. C'est un patron. Non, c'est pas un patron gratuit. De la blouse Paulette. Donc la première que j'ai fait en taille 48. Je vais vous montrer le patron en même temps le tableau des tailles. Donc Fibre Mood, c'est très bien parce qu'ils vendent de la taille 32 à la taille 58. Et ça, c'est génial. Donc moi, je l'ai réalisé dans la taille 46. N'importe quoi. 48. Oui, 48. Et donc. Voici ma première, non, ma deuxième version de Paulette. Je l'ai déjà cousue une fois l'année dernière. Donc il me semble que cette première blouse, je l'ai faite en taille 50 et c'était trop grand. Donc j'ai redécalqué, j'ai re-téléchargé le patron et donc refait la blouse. Alors, sur cette première blouse, vous ne verrez pas grand-chose. Parce qu'elle est noire et imprimée. Je voulais juste vous la montrer comme ça. Et je vais vous montrer une deuxième blouse. Donc ce tissu vient de chez Stop Tissu, encore une viscose que j'ai eue pour trois fois rien. Franchement, Stop Tissu, c'est pas du tout cher. J'espère que vous verrez. Donc là, je vous montre juste la blouse. Vous la présenter, mais je pense que les détails vous les verrez mieux sur celle-ci. Donc j'en ai cousu deux au mois de mars-avril. Je pense que les détails se verront plus sur celle-ci. Donc le petit volant, la petite découpe pour le volant, pareil au dos, la découpe ici. Donc cette deuxième blouse, je l'ai réalisée dans ce coton brodé que ma maman m'a envoyé de Madagascar. Donc coton brodé très fin que j'ai décidé de doubler avec un coton que j'ai acheté, une popeline de coton que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai entièrement doublé le buste et pour les manches. J'ai fait une couture anglaise et une couture à la main ici pour les poignées de manche. Pareil au niveau du col, une couture à la main. Maintenant, j'adore faire les finitions à la main parce que je trouve que ça fait très propre, ça fait très travaillé. Pareil pour les coutures anglaises, ça rend le vêtement très propre. Donc, j'aime trop ça. Je ne l'ai pas encore porté parce que j'attends de le porter. Avec le pantalon que je vais coudre au mois de mai, j'ai une idée de tenue en tête que j'ai envie de voir. Et donc je ne l'ai pas encore porté, j'ai même pas encore pris de photo avec. Mais bah, pour ce bilan couture, je vais prendre la photo. Mais j'ai une idée de tenue en tête et j'ai hâte de voir si ça sort comme je le veux. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce patron, les explications sont complètes. Et puis, il n'y a pas trop de difficultés dans cette blouse. Les marges de couture sont comprises, les explications sont complètes. Non, j'ai rien d'autre à dire. Je réfléchis et je regarde dans mes notes en même temps, mais...
J'ai rien acheté de. J'ai rien acheté. J'ai rien. J'ai pas écrit grand-chose. Non, rien. Nickel. Donc, je vous conseille cette blouse. Donc, même les boutons, j'ai oublié de vous dire. Donc, les boutons, c'est des boutons que j'ai chinés sur Vinted. J'adore chiner des boutons vintage dessus. Alors, je sais pas si c'est du vrai vintage. Mais en tout cas, hop. Je les aime trop. Et les boutons pour les manches, je crois que ce sont des boutons que j'ai récupérés d'anciennes chemises. Donc voilà, pour les deux paulettes que j'ai réalisées. Donc voilà, pour les deux paulettes que j'ai réalisées. Donc la première, je n'ai pas doublé. Donc j'ai fait des coutures anglaises. Bon, je pense que vous verrez rien, mais je vous montre quand même. Couture anglaise partout. Maintenant, j'adore faire des coutures anglaises parce que ça fait un rendu très propre. Je n'ai pas de surjeteuse. Ça fait 5 fois que je le dis au moins. Et je n'en cherche pas pour le moment parce que j'ai pas de place, j'ai pas d'argent. Et je n'en trouve pas encore. Enfin, je n'en vois pas trop encore l'utilité parce que j'arrive à faire tout ce que je veux avec ma machine à coudre. Pour les finitions, les zigzags, je trouve que ça tient pas trop dans le temps. Et donc j'ai trouvé l'option des coutures anglaises. Donc pour le moment, je pleure pas pour avoir une surjeteuse. Et j'aime beaucoup le rendu de la couture anglaise. On va parler de la chemise noix. Donc la chemise noix, je vous l'ai déjà montrée dans mon précédent bilan couture. Je peux pas vous la montrer là maintenant en vidéo parce que il est au sale. Mais je vais vous montrer la deuxième que j'ai réalisée. Donc j'ai réalisé cette chemise dans un coupon que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Dans laquelle j'ai cousu une partie de la turbulette que j'ai réalisée pour le cadeau de naissance. Donc avec le reste des tissus, enfin les chutes, enfin pas les chutes, mais une partie du tissu, j'ai cousu cette chemise. Donc pour faire cette chemise, il faut 1,50 m de tissu sur 1,40 m. Pile poil pour la taille que j'ai choisie. Donc moi, quand je couds la chemise Noah, je prends la taille 16. C'est une chemise faite exprès pour que ce soit oversize. Donc les tailles vont par deux. Soit c'est la taille 4-6, la taille 4-6 et ça s'arrête à la taille 20-22. Donc 4-6 jusqu'à la taille 20-22. Quand vous téléchargez le patron, donc c'est un patron gratuit qui se trouve sur le site de Fabric Store. Quand vous téléchargez le patron, vous pouvez il y a le guide détail. Donc moi je me réfère toujours au guide détail. Et j'ai donc imprimé la taille 16-18. Pour ce patron, donc comme je disais, j'ai utilisé 1,50 m de tissu sur 1,40 m. J'ai réalisé des coutures anglaises. Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm. Mais en tout cas j'ai fait 1 cm couture anglaise partout. Donc je vais vous montrer comme ça, un peu plus près. Pour voir le détail des cols, donc c'est très bariolé, c'est imprimé du coup. Je sais pas si ça se verra bien. La petite découpe dans le dos, cette fois-ci, j'ai fait le petit pli là au bon endroit, enfin dans le bon sens, en tout cas comme ce que eux ils ont montré. La technique du burrito. Pour que la couture ici soit propre, nickel. Boutonnière partout. Donc moi, je ne suis pas les marquages des boutonnières à chaque fois. Je les fais à ma sauce. Et ça va. Parce que ça ne tombe jamais là où je veux que ça tombe. En fait, quand je suis leur truc. Donc je préfère faire mes propres marquages de boutonnière. Donc là, j'ai pas encore très bien maîtrisé. Et c'est pas très droit. Mais c'est pas grave. Ça se voit pas quand c'est porté. Et les manches. Donc ce sont des boutons plastiques que ma maman m'avait envoyé de Madagascar, je crois, si je dis pas de bêtises. Et toujours quand c'est les petits boutons comme ça, ce sont des boutons que je récupère de d'anciennes chemises qui sont abîmées, que je ne porte plus. Donc voilà, rien à dire sur cette chemise. Ça fait deux chemises que j'ai cousues.
comme ça et je pense que je vais m'arrêter là pour les chemises fleuries en tout cas. J'aimerais bien me coudre une chemise toute blanche, comme ça, un basique dans la garde-robe, je pense. Mais sinon, en termes de chemise colorée, enfin, en termes de chemise imprimée comme ça, je vais m'arrêter là. La blouse Miramas de Bélène Paris que je viens tout juste de coudre hier, de terminer de coudre hier. Je vous mets les photos que j'ai pris, enfin que j'ai postées sur Instagram. Donc c'est la toute dernière collection de patrons que Myriam de Bélène Paris elle a sorti. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Alors, je vais vous montrer le patron. Voilà. Et donc dans ce patron PDF, il y a tous ces modèles là qu'on peut coudre et même plus si on regarde bien le livret, il y a même plus de possibilités. C'est un patron très complet qu'on peut décliner en plusieurs pièces. Donc avec un seul patron, on peut faire presque toute notre garde-robe avec. En tout cas, moi je sais que je vais encore me coudre une robe, qu'elle est vraiment oversize, ample, à souhait. Très confortable, idéal pour cet été. Donc, si vous reconnaissez le tissu, c'est le piqué de coton que j'ai acheté chez Benitex, dans laquelle j'ai réalisé une partie aussi de la turbulette. Encore, oui. Ici, on réutilise là, c'est la turbulette que j'ai réalisée pour le proche à qui j'ai cousu le vêtement. Donc, et d'ailleurs, dans le coton, enfin, dans ce piqué de coton, j'ai aussi utilisé, enfin, j'ai aussi cousu la robe de ma fille dedans. Donc c'était pour faire un duo mère-fille. J'ai cousu la taille 50. J'ai suivi le tableau des tailles. C'était indiqué que c'était fait pour que c'était oversize, mais j'ai quand même décidé de suivre le tableau des tailles et je ne suis pas du tout déçue parce que la blouse me va très très bien. Enfin, je trouve que la blouse me va très très bien. La taille est nickel. Je n'ai rien à dire. C'est ample comme je le veux, mais c'est pas non plus. Je savais pas non plus sac à patate. Très confortable. Et puis j'adore. Donc ça, c'est dit pour ce qui est du confort. Maintenant, pour la couture de cette blouse, je n'ai pas eu de difficulté. Il faut aimer faire les fronces et poser les élastiques. C'est tout ce qu'il y a de long à faire entre guillemets pour cette blouse, sinon c'est très rapide à coudre, très facile à coudre. Donc pour le col, on peut mettre les petits volants ou pas. Donc moi j'ai décidé de mettre de la dentelle pour changer un peu. J'ai fait le décolleté le plus grand, mais finalement j'ai pas assumé j'ai pas assumé le grand décolleté. Donc au final je me suis dit je vais rajouter des petits boutons ici pour fermer et je trouve que ça fait son petit effet, ce petit bouton que j'ai chiné sur Vinted d'ailleurs, et j'ai mis comme ce qui était prévu dans le patron les petites lanières ici au cou, mais c'était on pouvait mettre les lanières ici ou au milieu, mais donc moi j'ai décidé de mettre des boutons au milieu. C'est le seul truc qui. Je voulais coudre le grand décolleté et quand j'ai essayé, je me suis dit, ça fait trop décolleté, je vais pas assumer. Et donc voilà. Je vous mettrai les photos, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je suis fan de ce patron. Et d'ailleurs, la plupart des patrons de chez Bélène Paris sont magnifiques. Donc c'est un niveau 3 sur 5
Et ça va de la taille 32 à la taille 50. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai pris la taille 50 par rapport à mon tour de poitrine. On va s'arrêter là pour les hauts. Alors, si vous avez remarqué, il manquait donc la blouse noire de la première du précédent bilan couture que je ne vous ai pas présenté. Mais j'avais sa sœur que je vous ai présentée. Et il manque aussi la blouse Matisse de chez Artisan, mais qui se trouve au linge sale. Donc je ne sais pas si je vais juste incruster des photos ou si je vous en reparlerai dans un autre bilan couture. Mais en tout cas, j'en suis vraiment désolée. J'ai attendu pour que tout soit propre pour vous tourner cette vidéo, mais ça commence à faire longtemps. Enfin, les courses commencent à s'accumuler et j'ai pas envie non plus que ma vidéo elle dure 3 heures. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de tourner la vidéo malgré le fait que certaines cousettes ne sont pas là et ne peuvent pas être présentées. On va passer aux robes. Donc j'ai deux robes à vous présenter. La première robe, c'est la robe parfaite de Quintessence Mercerie. Mercerie, pas Mercerie. Donc la robe parfaite, donc je vais vous remontrer la robe que j'ai cousue, que j'ai cousue. Juste la robe que j'ai fait dans mon deuxième bilan couture, vite fait. Je vous laisse écouter les explications là-bas, mais c'est juste pour que vous voyez un peu plus la robe. Donc là, j'ai changé l'encolure, je l'ai un peu plus descendue parce que sur le patron initial, elle est un peu plus haute. Un peu plus ici, et donc moi j'ai un peu échancré le col. Donc voilà, j'ai fait la taille XL, mais comme je vous l'avais dit, je trouve qu'elle est un peu trop grande. Alors je sais que la robe est faite pour que ce soit ample, mais là c'est vraiment trop trop grand. J'aurais dû faire. Donc là, je vais refaire le même discours. J'étais entre deux tailles. J'étais entre la taille L et la taille XL. Et j'ai choisi de faire la taille XL parce que j'avais peur que ce soit trop petit. Et donc là, je ne regrette pas. Mais du coup, quand je porte cette robe, je mets une ceinture à la taille pour resserrer. Pour cette robe, j'ai entièrement doublé le haut, comme vous le voyez. Et j'ai fait. Je vérifie. Et je n'ai pas fait de couture anglaise pour la jupe, mais je l'ai fait pour les manches. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait pour le bas. Donc ce que j'aime bien sur cette robe, ce sont les poches. Donc un côté, je l'ai fait avec un tissu un peu rose poudré, un crêpe. Et l'autre côté, je l'ai fait donc, dans le même tissu, enfin dans le tissu principal pour que ça ne se voit pas. Quand c'est sur le côté comme ça. Qu'est-ce que je disais aussi là-dessus? Alors les explications très claires. De toute façon, la robe n'a rien de n'est en soi pas du tout compliqué à coudre. Donc j'ai fait des vraies boutonnières pour le haut, mais pour le bas, j'ai fait des fausses boutonnières. Et puis voilà. Donc je disais que cette robe, j'aimerais bien en coudre d'autres aussi. Le tissu vient de chez Benitex. C'est un crêpe léopard. Oui, je crois que c'est un crêpe léopard que j'ai mis dans un de mes bilans couture. Pourquoi je dis tout le temps bilan couture? Dans un de mes hauls tissus. Je vous les mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Et je vous mettrai le tissu. Si je le retrouve encore chez Benitex, je mettrai le tissu en barre d'infos aussi. Le lien pour le tissu, pardon. Donc voilà. J'espère vraiment que vous voyez mieux. Après, le tissu est très bariolé. Donc on voit pas grand-chose. Ah oui, il y a une fente. On voit rien. Il y a une fente indéchirable qu'on fait au niveau de la manche. Mais sinon, franchement, j'ai l'impression que je vous présente juste mes cousettes, mais je n'ai rien à dire au fait sur les patrons parce que
Donc voilà. Ah oui, donc le besoin tissu pour la version courte, donc c'est la version que j'ai faite. Pour la taille XL, normalement, ils disent 2,70 m de tissu. Moi, je n'ai pas du tout utilisé 2,70 m parce que dans 3 mètres de tissu, j'ai pu réaliser donc cette robe et puis la blouse matisse que je vous avais présentée. Et aussi, j'ai fait une doublure du haut d'une autre robe. Donc pour les 3 mètres, je les ai complètement saignées et j'ai pas utilisé 2,70 m. En tout cas, pour cette robe, j'ai oublié de mesurer le métrage que j'ai utilisé, mais en tout cas 2,70 m. En respectant le droit fil, je n'ai pas utilisé 2,70 m. Donc je trouve que 2,70 m, c'est trop. 2,50 m, pas 2,70 m. 2,50 m, c'est trop pour cette longueur. La deuxième robe, alors ça c'est pas une cousette A à Z, c'est juste une modification que j'ai apportée sur une robe que j'ai réalisée l'été dernier. Je vous mettrai la photo de la robe initiale ici. J'avais cousu cette robe et la doublure, je l'ai fait dans un tissu élastique. Donc c'est pas du tout du coton, un peu élastique, bizarre, je sais pas. Et donc, j'avais mis des boutonnières sur tout le long de la robe et j'ai pas apprécié, enfin j'ai pas aimé le rendu. Je ne l'ai porté qu'une seule fois et après je ne l'ai plus porté. Donc ça c'était le premier problème au niveau de la boutonnière, ce qui fait que ça faisait un truc bizarre au niveau du ventre, chose que je voulais déjà cacher parce que j'aime pas du tout mon ventre. Et en fait ça a porté plus d'attention sur mon ventre qu'autre chose, donc je l'ai porté qu'une seule fois. Deuxième problème, c'est que la doublure de la jupe du bas de la robe était trop courte. On voyait limite mes fesses. Donc ça n'allait pas du tout, je ne l'ai pas du tout porté. Donc j'ai complètement transformé l'esprit de la robe. Comme le haut était un peu ample, j'ai décidé de lui faire un genre de cache-cœur, comme ça. Donc j'ai pas modifié, j'ai juste enlevé la boutonnière, ici. J'ai juste enlevé la boutonnière, donc c'était censé être fermé comme ça. Et j'ai enlevé la boutonnière. Alors ça a coupé au moment où je vous montrais. Bon, cette robe que j'ai transformée, c'est une robe que j'ai cousue l'année dernière avec plusieurs patrons. En fait, je suis partie de plusieurs patrons pour me faire une robe toute boutonnée devant. Mais il se trouve que j'ai pas du tout aimé le résultat. Donc cette année, j'ai décidé de la reprendre vu que j'aime beaucoup le tissu et la couleur et que je voulais absolument reporter la robe. Donc je vous remontre, j'ai fait un cache-cœur ici devant et aussi un faux cache-cœur pour la jupe. Donc comme j'ai dit, j'ai rallongé la doublure en bas avec un autre tissu. C'est un satin de coton que j'ai mis en bas. Je vais essayer de vous montrer la doublure. Donc voilà, que j'ai rallongé. Donc là, le décolleté. Et là, donc ça fait une ouverture. Et la doublure. Donc je mettrai les photos portées. En tout cas, à côté. Et voilà pour cette robe. J'ai pas grand-chose à dire. Je ne peux pas vous donner de patron parce que c'est un patron que en quelque sorte j'ai fait moi-même. Et j'espère que cette année je vais porter cette robe plus souvent. Je mettrai des photos ou des petites vidéos de la robe portée. En tout cas, si vous aimez cette robe, je pense qu'il y a pas mal de patrons qui font des robes cache-cœur comme ça. J'essaierai de vous mettre, si je retrouve à peu près le même modèle, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Mais en tout cas, pour celle-ci, je ne sais pas si je ferai mon propre patron, peut-être, pour me refaire la même robe, si je l'aime bien. Mais en tout cas, comme ça, je pourrais la remettre. Et puis, c'est pas une cousette perdue, en tout cas. Vous reconnaissez sûrement le tissu. Donc, c'est le même tissu que
que le jean que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc c'est un jean de chez Tissu de Rêve. Et la veste Madame Dita, c'est le patron de Studio Schnitreff qui se présente, enfin qui a plusieurs tailles, XS à XXL ou triple XL je crois. De toute façon, je vous mettrai les infos à l'écran. Très facile à coudre. C'est un patron que j'ai acheté sur le site de Makerist. Donc si vous aimez bien cette veste, attendez les soldes parce qu'il passe souvent à 2 euros. Donc je l'ai acheté à 2 euros et je l'ai bien rentabilisé parce que c'est ma troisième, oui, c'est ma troisième veste Madame Dita. Donc j'aime beaucoup cette coupe. C'est une veste basique. Je l'ai pas encore, enfin, je l'ai pas encore, non. J'ai fait des modifications sur la veste. Donc encore une fois, j'ai rajouté de la doublure. Elle est complètement doublée, sauf pour les manches. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer déjà la doublure et ensuite. C'est dur. Et ensuite, on passera à l'extérieur. Donc la doublure, vous la voyez déjà, c'est toujours le tissu que j'ai gagné avec Sala Paris. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une pépite aussi. Voilà. Facile comme ça. Donc complètement doublé. Le patron n'est pas prévu pour être doublé. Donc c'est moi qui ai rajouté, enfin qui. J'ai juste doublé au fait deux fois devant, deux fois le dos. Dans le tissu principal et tissu la doublure, donc complètement doublé comme ça. Voilà. Le col, le dos. J'ai mis ma petite étiquette. Et les manches, je n'ai pas doublé les manches parce que vous voyez, c'est le tissu est très épais. Par contre, j'ai doublé ici. J'ai doublé les poignées de manches parce que je ne voulais pas faire de double rentrée vu que ce tissu est très épais et déjà avec mon jean, j'ai galéré à chaque fois que je passais plein d'épaisseur. Donc pour cette veste, je voulais absolument rajouter des poignées et puis ça fait un petit style. Petit rappel de couleur, donc déjà de 1 j'ai doublé la veste et ensuite il devait y avoir des poches. Je vais vous montrer le patron après pour que vous voyez un peu à quoi ça aurait dû ressembler. Mais déjà j'ai pas mis les poches et j'ai pas mis toutes les poches et j'ai pas mis les boutons. Alors pourquoi j'ai pas mis les boutons? Parce que ma soeur elle n'en voulait pas. Donc voilà. Normalement, les poches doivent être posées normalement, mais encore une fois, je voulais pas beaucoup d'épaisseur, donc je trouvais que ça faisait un petit style le fait de faire les zigzags comme ça. Et voilà, une poche, une bonne poche, une vraie poche quoi. Et puis j'ai fait deux surpiqûres ici en bas parce que j'avais peur qu'une seule surpiqûre ne tienne pas. Donc voilà. J'ai fait la taille XS pour ma soeur. Petit détail des pinces ici. Et sinon, c'est une veste vraiment très très simple, très basique, mais que j'aime beaucoup faire. Et je pense que je m'en referai une autre doublée comme ça, parce que la première que j'ai cousue, elle n'est pas du tout doublée. Je la porte actuellement, mais bon. Donc voilà. Et donc, l'autre veste Madame Dita que je vous avais déjà présenté dans mon précédent bilan couture, mais qu'on ne voyait pas très bien. Non, c'est mieux avec le cintre. C'est celle-ci que j'ai réalisée dans un coupon que j'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un reste de coupon dans laquelle j'ai réalisé le manteau de ma fille. Donc c'était un coupon de 3 mètres dans laquelle j'ai réalisé le manteau. Cette veste Madame Dita et de Perret. Donc le coupon a été utilisé jusqu'au bout. Donc voilà. Sur celle-ci, je l'ai doublée aussi, mais j'ai utilisé les parementures qui étaient déjà dans le patron. J'ai juste modifié le parementure, la parementure, pardon,
derrière que je vous montrerai après, montrerai après. Donc veste toute simple comme ça. Je n'ai pas du tout mis les poches parce que je n'avais plus assez de tissu et puis je voulais une veste toute simple sans poche. Toujours les pinces, les petits boutons. J'en ai mis 4. J'ai fait une petite bêtise pour les boutons. Je les ai mis trop au bord, que ce soit la boutonnière ou les boutons. Mais bon, je ne porte jamais cette veste fermée. Donc voilà. Autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté des poignées de manches. Voilà, avec une fente indéchirable. Donc les poignées de manches que j'ai fait, que j'ai doublé dans ce polyester fleuri que j'avais acheté au marché. Et toujours les petits boutons. Donc tous mes boutons, je les ai chinés sur Vinted. Donc voilà pour la veste. Je vous la montre comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Très intéressant parce que j'ai bien travaillé l'intérieur. Donc l'intérieur, il est comme ça, complètement doublé, sauf pour les manches toujours. Et ici, contrairement à la veste de tout à l'heure, j'ai fait une couture anglaise là, pour que ce soit vraiment propre. Vous voyez, on voit pas du tout les coutures. J'ai fait une couture anglaise ici. Et j'ai fait une couture anglaise, mais là, j'ai rien fait. J'ai laissé les manches à vif, mais bon, c'est pas grave. Donc, petite modification pour la parenture dos. Donc, normalement, c'était censé être une parenture arrondie comme ça, mais moi, je l'ai fait carré. Enfin, j'ai fait une ligne droite pour que ce soit plus facile à assembler avec la parenture, le tissu, enfin le polyester, et que j'ai pas d'autres découpes à faire. Donc, il fallait juste que je découpe le dos en deux parties au lieu de faire des arrondis quoi. Et je trouvais ça plus simple. Et puis ça fait un petit style aussi derrière. J'espère que vous voyez bien. J'ai juste coupé pas au milieu, mais voilà, à peu près au pif quoi. Et voilà. Si jamais vous voulez. Donc je compte encore me faire une autre veste Madame Dita dans une gabardine blanche. Si jamais vous voulez voir une vidéo, genre de vidéo vlog couture, parce que je compte faire des modifications, je compte hacker encore une fois donc ce patron. Donc si vous voulez une vidéo, laissez-le-moi dans les commentaires et puis j'essaierai de faire ça avec vous. Bon après, je pense vraiment que je vais le faire, donc si vous ne me le dites pas, je le ferai. Mais en tout cas, oups! En tout cas, voilà pour les deux vestes Madame Dita que j'avais réalisées. Donc, celle-ci, ça fait partie du deuxième bilan couture. Et l'autre, bah, c'est celui que j'ai réalisé au mois de mars-avril. Je vous mets le patron là. Donc, vous voyez bien les quatre poches normalement plaquées. Et j'espère que vous voyez ce que je montre. Donc, là, les quatre poches normalement, et puis toute la façon de boutonner que j'ai pas du tout respectée sur mes deux vestes, parce que bah je sais pas, je voulais faire autre chose, je voulais pas fermer jusqu'en haut, et puis voilà. Donc voilà, comme dit, de la taille XS à double XL. Voilà. J'ai rien à dire sur cette veste. Comme je vous l'ai dit, ça fait 3 fois que je la réalise et je trouve qu'elle est très très bien. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de négatif dessus? Rien du tout. C'est très très bien expliqué. C'était très facile de rajouter la doublure, même si c'était pas préconisé dans le patron, parce qu'ici il fallait juste utiliser une parementure et moi j'ai fait la doublure, les tailles. Bah il y a quand même un large choix de tailles, comme moi je fais partie quand même des grandes tailles, donc j'ai coupé la taille XL pour faire pour moi.
Et franchement, la veste ne me sert pas du tout. Très abordable, 2 euros quand c'est les soldes. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce patron. Je vous laisse avec les photos portées. Et on passe à la dernière cousette du mois d'avril. Alors, mes dernières cousettes du mois d'avril, il s'agit de deux combinaisons. Combinaison Solia de Mood Fabrics. Que vous voyez très très bien. Donc de Mood Fabric, qui est un site qui font des patrons gratuits. Les explications sont en anglais, mais c'est très facile à réaliser. Et ils ont un large choix de taille, donc ça va par deux, de la taille 0,2 à la taille 28-30. Ce sont des tailles américaines. Il y a un tableau des tailles que je vous conseille de suivre. Parce que je n'ai pas eu de soucis jusque-là. J'ai découpé la taille 12-14 pour réaliser donc ma combinaison. Par contre, j'ai fait des modifications que du coup j'ai gardées pour ce patron-là. Je ne ferai que avec les modifications que j'ai faites. Donc, au niveau de l'encolure, je vais vous montrer sur le dessin d'abord. Au niveau de l'encolure, ici, en fait, je trouvais que c'était trop ouvert là. On voyait trop ma poitrine, donc j'ai décidé de décaler un peu, d'agrandir au fait la largeur du dessous de poitrine pour que je puisse refermer un tout petit peu pour que je puisse refermer plus le décolleté. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que vous le voyez déjà. Donc ça, c'est celle que j'ai réalisé au mois de décembre, que je devais porter pour une fête de fin d'année qui n'a pas eu lieu. Et du coup, je n'ai jamais porté cette combi. Donc, la voilà. Je mettrai, comme d'habitude, des photos portées. Donc, c'est ici le changement que j'ai fait. Normalement, ici, ça ne devrait pas se croiser comme ça. Ça devrait laisser un trou. Mais moi, du coup, j'ai décidé de fermer. Que ça arrive au-dessus de ma poitrine et que le décolleté ne soit pas trop extravagant. Donc j'ai modifié une première fois le patron. Donc sur cette combi-là, la première modification a été de corriger les cas, enfin de corriger l'extravagance si je puis dire. Du décolleté et ensuite les manches. J'ai fait des manches longues parce que j'adore les manches longues et que je comptais le porter en hiver, donc je voulais quand même avoir un peu chaud parce que je me vois pas porter de pull avec. Donc cette combi-là, je l'ai réalisée dans ce crêpe en vert satin que j'ai acheté chez My Little Coupon pendant le CSF, donc dans un de mes bilans couture. On retrouve ce satin qui est magnifique. Je l'adore. Le dos, il est comme ça. J'espère que vous voyez très bien. Les boutons, je les ai chinés. Sans surprise, survie dead. Donc là, le dos se présente comme ça. Grand ouvert dans le dos. Donc, il se porte sans soutien-gorge. Mais avec enfin la poitrine est quand même bien soutenue devant. Le seul petit problème que j'ai avec cette combi, c'est que je trouve qu'elle est trop courte parce qu'au fait elle remonte sur les côtés. Je pense que j'aurais du mal à vous le montrer, mais vous verrez sur les photos portées. Donc elle est trop courte sur les côtés, donc je pense la transformer encore. Vous le verrez peut-être dans un autre bilan couture, mais je pense retransformer cette combi-ci en jupe. En fait, il me reste du tissu et je pense que je rajouterai un volant pour qu'elle soit un tout petit peu plus longue parce que j'assume pas le fait qu'elle soit trop courte. En fait, c'est une des raisons qui fait que je ne la porte pas du tout. Cette combi, je l'ai doublée dans ce tissu. C'est un tissu que j'ai upcyclé parce que ce tissu-là était en fait une combi que j'avais réalisée dans mes débuts de couture et la combi
Elle était très belle quand je l'avais réalisée, mais au fait, maintenant que je couds mieux qu'avant, je trouve que la combi était trop moche. Du coup, je l'ai complètement défait et j'ai utilisé le tissu en tant que doublure, quoi, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette doublure qui n'a rien à voir avec le tissu. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu, mais en tout cas, je pense que vous voyez bien la doublure. Elle est bien. Donc j'ai complètement doublé le haut et pas le short. Donc voilà. Pour la première solia que j'ai réalisée. Et ensuite, la deuxième. Donc sur cette deuxième, j'ai gardé les modifications que j'ai faites au niveau des manches. Toujours les manches élastiquées. Je pensais changer avec des poignées de manches, mais bon, finalement, je vais garder les manches élastiquées. Est-ce que je vous le montre bien? Voilà, j'ai juste fait une coulisse et rentré les élastiques. Et donc, devant cette fois-ci, est-ce que vous voyez bien? Alors là, j'ai fait des bêtises quand j'ai repassé, et du coup, ça a laissé des traces moches comme ça. Je ne sais pas comment l'enlever. Ça m'énerve un peu, mais bon. C'était pas grave. Donc sur celle-ci, j'ai encore une fois modifié le patron que j'ai déjà modifié. J'ai rajouté encore plus de largeur à donc cette partie haute de la poitrine pour que la partie plissée ici soit plus importante et qu'on puisse faire le croisé un peu plus important aussi. Je vais rajouter une petite couture ici pour que ça ne s'ouvre pas parce que quand je la porte le décolleté et, enfin on voit limite mes seins quoi si je mets pas une petite pince et donc c'est tout ce que j'ai fait comme modification autre que ce que j'avais déjà fait sur la première. Bon, j'aime beaucoup cette combinaison donc là cette fois-ci je l'ai fait en pantalon. Je vais pas vous montrer le bas, ça ne sert à rien. Je vais parce que j'ai juste rallongé au fait le J'ai juste rallongé le patron. Vous les verrez sur les photos portées. Ça sera beaucoup mieux. Donc, je vous montre le dos exactement pareil que tout à l'heure. J'ai mis des pressions à coudre. Ma phobie, les pressions à poser. Donc, je préfère les pressions à coudre. Et toujours les petits boutons. Cette fois-ci, c'était pas sur Vinted. C'est des boutons que j'ai achetés. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Que j'ai achetés pendant une brocante, je crois. Oui, ce sont des boutons que j'ai achetés pendant une brocante. Et donc, j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé dans ce tissu que vous retrouverez dans mon bilan couture. N'importe quoi! Que vous retrouverez dans un de mes hauls tissus. Je pense que je vous mettrai tous mes hauls tissus dans la barre d'infos, comme ça vous verrez. Mais en tout cas, c'est un tissu que j'ai acheté chez Benitex. Donc j'ai acheté un coupon de 3 mètres. Il me semble que c'était à 10 euros. Et j'ai tout terminé là-dedans. Alors 3 mètres pour faire une combi. Surtout parce que les. Vous voyez. Hop! C'est un pantalon palazzo, très large, très très limite, j'ai deux jupes en bas. Donc c'est pour ça que j'ai terminé mon coupon 3 mètres. Et aussi, comme d'habitude, je double toujours mes hauts. Je ne fais plus de parmonture parce que je déteste ça. Et donc je préfère doubler mes hauts. Et puis ça fait un rendu propre. Je vais essayer de vous le montrer sur l'envers. Je trouve que ça fait un rendu très propre pour le haut. Alors en bas, ça ne me dérange pas de faire des zigzags ou faire des coutures anglaises. Mais quand il s'agit de haut comme ça, au fait, j'adore doubler. Et ça fait plus propre que les vêtements du commerce, je trouve. Et j'adore ça. Donc ici, cette fois-ci, pour les manches, j'ai pas fait de couture anglaise, non. J'ai pas fait de couture à la main. J'ai décidé de zigzaguer les manches, mais bon, c'est pas trop grave. Donc vous voyez,
J'ai fait une couture à la main ici, donc ça ne voit pas du tout. Et ça fait très propre. Donc là, on est sur l'envers. Et on dirait qu'on est quand même sur l'endroit. Et j'aime beaucoup. Donc je vous conseille vraiment ce patron et même ce site parce qu'il regorge de magnifiques patrons et puis ils sont gratuits. Si vous voulez tester, juste ça ne coûte rien en gros. Et donc voilà. D'ailleurs, je pense faire une vidéo mes 10 patrons préférés qui peuvent constituer ma garde-robe. Enfin, 10 patrons avec lesquels je peux me faire toute ma garde-robe. Je pense que je vais vous filmer cette vidéo bientôt et je vais vous la poster parce que j'ai des patrons coup de cœur. Enfin, pas coup de cœur, mais j'ai des patrons favoris au fait que j'utilise tout le temps. Comme cette combi par exemple, que j'ai déjà cousue 4 fois, je pense. Comme la veste Madame Tifa aussi, et donc j'ai des patrons comme ça sur lesquels, vers lesquels je reviens tout le temps, que j'utilise tout le temps, et je vais vous les présenter parce qu'il y a des patrons gratuits et il y a aussi des patrons que j'ai achetés, et je pense que ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresserait, je ferai quand même la vidéo, hein. Mais j'aimerais aussi avoir votre avis. Donc voilà tout ce que j'ai cousu. Fin décembre, début janvier, et puis mars-avril pour le reste. Donc je vous ai tout dit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette fois-ci vous ne serez pas déçus par rapport à comment je montre les vêtements. J'ai fait attention. Normalement là ça devrait être bien. Je ne sais pas encore trop où est-ce que je... Enfin, le décor derrière change de temps en temps parce que je teste encore. Ce n'est que ma 4e, 5e vidéo, je crois. Et jusque-là, je ne trouve pas encore de spot idéal ou de façon idéale pour filmer, pour vous montrer. Donc là, je filme... Et en plus, en fait, je filme pas en caméra avant parce que la qualité n'est pas du tout bien avec mon téléphone. Je préfère filmer de l'autre côté et puis regarder de temps en temps et puis avoir le retour aussi par rapport à comment je montre les vêtements. Cette fois-ci, j'espère que vous avez bien vu et merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à mes cousettes et puis quelle cousette vous avez préférée. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Soit ça sera mon... Non, je vais pas tout de suite faire un autre bilan couture quand même. Donc je pense vraiment que je vais tourner la vidéo mes patrons préférés. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais parler des patrons vers lesquels je me tourne, enfin, que j'utilise le plus souvent et que j'aime le plus pour constituer, pour faire ma garde-robe 100% cousue main. Et puis... comme je vous l'ai dit, j'essaie de ne plus acheter de patron. Donc cette année, je n'ai toujours pas acheté de patron jusque-là. Et je suis très contente, à part le patron de mon trench. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs, trench que je suis en train de coudre actuellement. Donc cette année, j'essaie de ne pas acheter de nouveaux patrons. À part les patrons que je teste aussi. Comme le patron... de la blouse Miramas que vous avez vu, donc j'ai fait partie des testeuses, ce qui fait que c'est un nouveau patron certes, mais un patron que je n'ai pas acheté. En tout cas voilà, cette année j'essaie de ne pas acheter de patron et de travailler sur les patrons que j'ai déjà, parce que j'en ai des patrons, vous les voyez là, mais voilà. Donc j'essaie d'utiliser ces patrons-là et de ne pas acheter de nouveaux. Et en tout cas, et comme j'aime bien hacker mes patrons, en fait ça sert à rien d'en acheter tout le temps. D'ailleurs, j'ai aussi une idée de vidéo d'un patron que je vais hacker pour réaliser une blouse que j'aime beaucoup. Je vous en dis pas plus, je pense que je vais faire une vidéo de ça. Et puis voilà. En tout cas, encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mettre un petit j'aime et puis suivez-moi sur Instagram. Je poste pas mal de tenues, surtout que je participe au hashtag #MilletMay2022.
Donc j'essaie de poster soit en story, soit en post Instagram, mais tenue. Et puis voilà. Bye!